précédés par les anguilles, ils traversèrent des zones inquiétantes dans les fonds sous-marins et entrèrent bientôt à travers les fanons d'une carcasse de baleine dans le domaine d'Ursula. Bravo, bravo, mes chères petites vipères des mers! Vous m'amenez une invitée de marque. Approche, mon enfant. On ne va pas converser sur le pas de la porte, ça n'est pas poli. Alors, résumons un peu la situation. Tu es tombée amoureuse de ce jeune prince. Tout serait bien si ce n'était pas un humain. Oh, je ne te blâme pas. Je vois seulement les problèmes que cela pose. Eh bien, mon petit ange des mers et des océans, je ne vois qu'une solution pour te satisfaire. Il faut que toi-même deviennes un être humain. Quoi ? Ce serait possible ? Vous pouvez faire cela ? Ma douce petite sirène, je le fais chaque jour. Je ne vis que dans ce but, aider de mon mieux le peuple de la mer, les cœurs qui souffrent, les pauvres âmes en détresse, qui n'ont personne vers qui se tourner. Je n'ai pas toujours été gentille et sincère. J'ai vraiment mérité le nom de sorcière. Mais vous verrez qu'aujourd'hui, je suis bonne avec autrui. Repenti, j'ai voulu faire marche arrière. Oui, oui. Il est vrai que je connais un peu de magie. C'est un talent que j'ai toujours possédé. Qu'aujourd'hui, par bonté d'âme, j'ai mis, je le proclame, au service de tous les cas désespérés. Pathétique. Pauvre ma perdition. Oh mal de tout. Cette âme-là rêve d'être un squelette, l'autre cherche une amourette. Et moi, qu'est-ce que je dis ? Je dis oui. Toutes ces âmes en perdition, oh mal de tout. Elles débarquent dans mes chaudrons en broyant Ursula, sauve-nous. Et moi, j'accepte. Quelle question ? Il est tout de même arrivé que l'une ne puisse pas payer et que j'avoue l'avoir fait frire sans compassion. C'est vrai que j'ai eu des plaintes, mais tout compte fait, je suis une sainte pour toutes les âmes en perdition. Voilà les termes du contrat. Je vais te préparer une potion qui te donnera une apparence humaine pendant 3 jours. Tu entends ? 3 jours ! Écoute, la suite, c'est très important. Avant le coucher du soleil, le 3e jour, tu feras en sorte que ce brave petit prince soit tombé amoureux de toi. Et surtout, surtout qu'il t'embrasse. Pas un baiser ordinaire, mais le baiser de l'amour véritable. S'il t'a embrassé le 3e jour avant le coucher du soleil, tu garderas pour toujours ton apparence humaine. Mais s'il ne le fait pas, tu redeviendras sirène et tu m'appartiendras à jamais. Sébastien, qui avait assisté à la scène, se mit à hurler. Non, Ariel ! N'accepte pas ! C'est un piège ! Alors, j'ai ton accord ? Si je deviens un être humain, je ne verrai plus jamais mes sœurs, mon père, mes amis ? C'est vrai, c'est un choix. La vie est pleine de ce genre de problèmes. On ne peut pas tout avoir en même temps. Toi, tu auras ton prince. Mais nous n'avons pas discuté du prix que tu auras à me payer. Rien ici-bas n'est gratuit. Vous payez ? Mais je n'ai rien. Oh, je ne vais pas être exigeante. Je veux peu de choses. Pendant ces 3 jours, tu me donneras ta voix. Après tout, tu n'en as pas besoin. Ma voix ? Mais oui, ma douceur. Pendant 3 jours, tu ne parleras pas, tu ne chanteras pas. Mais sans ma voix, que puis-je faire ? Tu auras ton apparence, ton joli visage, ton corps. Tu crois que cela ne suffit pas aux hommes ? Allez, signe ce pacte sur ce parchemin. Beluga, sévruga, soufflé, vent de la mer caspienne. La récise logique, c'est grand avocat.
Ursula s'était penchée sur un chaudron où cuisait une noire mixture. Bientôt, des vapeurs sortirent du chaudron. Elles prirent la forme de deux mains crochues qui entourèrent la gorge de la petite sirène. En un instant, elles s'emparèrent de la voix pour l'offrir à Ursula. La méchante sorcière l'enferma aussitôt dans un coquillage qu'elle suspendit à un collier autour de son cou. Ursula venait ainsi de voler sa voix mélodieuse à la pauvre petite sirène. Dans le même temps, Ariel subissait sa transformation. Son corps de poisson devenait un corps de jeune fille. Elle se débattit aussitôt au fond de l'eau. Sébastien et Polochon l'aidèrent à remonter à la surface pour lui permettre de respirer et la conduisirent sur le rivage où ils retrouvèrent Eureka, le goéland, qui semblait ne rien comprendre. « Imbécile ! Tu ne vois pas qu'elle a maintenant deux jambes ? Elle a échangé sa voix contre ça ! C'est la sorcière qui lui a volé sa voix ! Et qui est responsable de tout ! Ah ! Je le savais ! Je le savais ! » !»« C'est une femme maintenant. Ouais, une vraie femme. Il faut aussi que le prince soit amoureux d'elle et lui donne un baiser. » Et elle n'a que 3 jours pour faire tout ça, mais regardez-la! J'en peux plus! Je craque! Mes jours sont comptés! Son père va prendre plaisir à écrabouiller un crabe incapable comme moi! Je devais la surveiller! Qu'est-ce que je vais lui raconter? Oui, oui, mademoiselle! Vous pouvez secouer la tête! Tout ça est affreux! Oh. Si je pouvais te faire retrouver ta voix et ta queue de poisson. Bon, bon! Je n'ai rien dit! On va essayer de te faire rencontrer ton prince. Mais qu'est-ce que j'ai? Je me ramollis tellement que j'ai l'impression de devenir aussi tendre qu'une nounou. Tandis que Sébastien parlait et se lamentait, Eureka prit dans son bec un morceau de la voile du navire qui avait été rejeté par les vagues sur le rivage. Il le tendit à Ariel. « Maintenant que tu es une jeune fille, il faut faire comme une jeune fille. Entortille-toi dans ce bout de toile. Ça te servira de robe. C'est l'habitude chez les humains. Allez, viens, je vais arranger ça. » Ariel était en train d'admirer ses pauvres vêtements quand le chien du prince Éric bondit vers elle et manqua la renverser. Le prince, qui se trouvait sur le rivage, arrivait aussitôt derrière lui. « Max, couchez, Max. Oh, pardon, mademoiselle. » C'est un chien turbulent, mais il est très gentil. J'espère qu'il ne vous a pas blessé. Mais il me semble que je vous connais. Est-ce qu'on ne s'est pas déjà rencontré? Ariel essaya de répondre, mais elle s'aperçut qu'elle n'avait plus de voix. Elle fit simplement non de la tête, en se tenant la gorge. Son visage laissait voir une grande tristesse. Vous ne me répondez pas? Vous ne pouvez faire que des signes? Oh, je comprends! Vous ne pouvez pas parler. C'est ça, n'est-ce pas? Pauvre jeune fille. Vous êtes muette? Alors je me trompe sûrement. Vous n'êtes pas celle que je cherche. Celle que j'ai rencontrée avait une si jolie voix. Ça ne peut être vous. Et pourtant, vous lui ressemblez. Mais vous semblez désespérée et épuisée. Venez, je vais vous accompagner au château. Une servante vous aidera et vous donnera des vêtements. Allez, venez. Quand le prince vit qu'Ariel avait des difficultés à marcher, car elle ne savait trop comment s'y prendre, il pensa qu'elle était si fatiguée qu'il devait venir à son secours. Il lui entoura la taille de son bras et la conduisit lentement le long du rivage. Au château, le comte Grimsby trouva le jeune prince plus songeur qu'à l'accoutumée. Appuyé à la fenêtre, il regardait la mer. Il croyait toujours entendre la voix douce et mélodieuse de la jeune fille qu'il avait secourue. Allons, Eric, un peu de bon sens. Les jolies jeunes filles qui nagent dans la tempête volent au secours des naufragés, chantent admirablement pour les éveiller et puis disparaissent. Ce n'existe que dans les contes de fées. Et moi, je soutiens que cette fille existe réellement. Je l'ai entendue et elle m'a sauvée. Je la retrouverai, Grimsby. Et je l'épouserai. C'est à cet instant qu'Ariel, revêtue de la belle robe de soie que lui avait donnée la servante, fit son entrée dans la salle du château. Sa beauté était si éclatante que le comte Grimsby se dressa sur ses vieilles jambes tel un sort. Éric, regardez, est-ce une apparition?
Vous êtes merveilleusement belle, mademoiselle l'inconnue. Ariel rayonnait de plaisir. Le comte Grimsby lui prit la main. Venez, venez par ici. Vous devez être affamée. Passons à table. Ce n'est pas tous les jours que nous avons une si belle invitée. Dès qu'ils furent assis, Ariel vit une fourchette près de son assiette. Se rappelant l'objet qu'elle avait trouvé et ce que lui avait enseigné Eureka, elle s'en empara et la passa dans ses cheveux pour se peigner. Elle s'arrêta tout net en découvrant la stupéfaction d'Éric et de son précepteur. Elle aperçut alors la grosse pipe du comte posée près de lui. Sans hésiter, elle la mit à la bouche et souffla dedans pour en tirer des sons. Le comte reçut toute la cendre en plein visage. Éric éclata de rire. Pardonnez-moi, Grimsby, mais c'était trop drôle. Drôle ? Ma foi, oui, très drôle. Oh, qui a-t-il à dîner ce soir ? Je crois que le chef nous a préparé à sa façon un très beau crabe. C'est sa spécialité. Il sait que vous aimez cela, Grimsby. En effet, dans la cuisine, Louis le chef, armé de ses longues fourchettes et de ses couteaux, surveillait le bouillon aromatisé où il allait faire cuire un crabe. Un autre crabe, cependant, affolé, terrorisé, regardait tout cela, caché derrière un monceau de casseroles. C'était, vous l'avez deviné, ce pauvre Sébastien, qui s'était perdu dans ce lieu cruel en cherchant la petite Ariel à travers le château. Il assistait avec horreur au supplice de son pauvre congénère. Louis travaillait gaiement en chantant. Nouvelle cuisine, les Champs-Élysées, Maurice Chevalier. Les poissons, moi j'adore les poissons. Les couper, les tronçonner à vif. J'aime le trancher la tête et dépioter la bête. Ah mais oui, c'est toujours un délice. Les poissons, hi, 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 ah, ah, je leur crève les yeux et je les ouvre à deux. Je leur arrache les entrailles et je les jette dans la poêle. Ils frétillent, ils tortillent, grognent. Louis finissait sa chanson quand soudain il aperçut le pauvre Sébastien derrière une marmite. Une poursuite infernale s'engageait à travers toute la cuisine. Armé de son énorme couteau, Louis frappait à tour de bras, renversant casseroles, plats, marmites, derrière lesquelles le pauvre Sébastien essayait de se dissimuler. C'est au milieu de ce vacarme que Carlotta, la gouvernante, surgit dans la cuisine. Penaud et honteux d'avoir commis tous ces dégâts, Louis retrouva son calme. Hélas, il se dissimula sous la cloche d'un plat que Carlotta emporta à table. C'est Ariel qui le vit la première quand le plat fut découvert. Elle s'empressa de dissimuler le pauvre Sébastien tout tremblant sous sa serviette. Pendant ce temps, au fond de l'océan, le roi Tréton essayait par tous les moyens de retrouver sa petite sirène. Tous ses sujets étaient en alerte. « Ne laissez rien au hasard !» Explorez chaque rocher, chaque récif de corail, chaque grotte, il faut la retrouver. Rempli de remords, le pauvre roi se lamentait. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'aurais jamais dû être si sévère. Où est ma petite fille? Ces humains se sont emparés d'elle, sans doute. Triton ne savait pas que sa petite Ariel était fort heureuse en découvrant le monde des humains. Tout l'enchantait. Le lit si doux de sa grande chambre, la baignoire, les flacons, les parfums. Et le jour suivant, elle fut émerveillée par le carrosse et les beaux chevaux qui la transportèrent jusqu'au village où elle dansa au milieu des villageois avec le jeune Éric. Ariel était si heureuse qu'elle avait même oublié le terrible pacte passé avec Ursula, la sorcière des mers. Pourtant, les heures et les jours s'écoulaient. Sébastien et Polochon, eux, savaient bien le grave danger qu'elle courait. Le troisième jour était arrivé. C'était le dernier. Et le prince n'avait toujours pas embrassé la petite Ariel. Il ne lui avait pas plus déclaré son amour. Nos deux amis se décidèrent alors à agir. Éric avait convié Ariel à une promenade en barque sur le lagon bleu qui entourait le château. Faut que le prince se décide. Faut faire quelque chose. Ah ! Je sais. Je vais créer une atmosphère romantique. La musique s'appelle l'amour. Polochon,
Réunis-moi tous les flamants roses du lagon, les oiseaux, les grenouilles. On va donner la sérénade aux deux amoureux. Percussion. Corde. Cuivre. Charme. Regarde-la, douce et fragile à la fois. Elle ne dit rien, elle se tait, mais ton cœur brûle en secret. Tu ne sais pas pourquoi, mais c'est plus fort que toi, t'aimais bien l'embrasser. Vous avez entendu? Tu rêvais d'elle, tu l'attends depuis toujours. Si c'est un roman d'amour, faut provoquer l'étincelle. Et les mots, crois-moi, pour ça il n'y en a pas. Décide-toi, embrasse-la avec moi maintenant. Chalalalala, my oh my, il est intimidé, il n'ose pas l'embrasser. Chalalalala, s'il est sage, ça c'est vraiment dommage. Adieu la fiancée. Ému par cette sérénade, attendri, attiré par la beauté de la jeune Ariel, le prince Éric se penchait déjà vers elle, prêt à lui donner un doux baiser, quand brusquement la barque fut renversée. Tout le monde se retrouva dans l'eau bleue du lagon. Oui, mes amis, Ursula veillait, et c'est elle qui venait de provoquer ce naufrage. Ouf ! Il s'en est fallu de peu, cette petite peste est plus rusée que je croyais. Je dois agir vite et autrement si je la veux pour moi à jamais. Alors ce vieux triton se tortillera devant moi comme un ver de vase pris à l'hameçon. Allons, au travail! L'horrible sorcière s'affaira immédiatement autour de son chaudron magique. Elle y jeta toutes sortes d'ingrédients repoussants qui dégageaient aussitôt des vapeurs noires et nauséabondes. En les respirant à pleine narine, l'affreuse sorcière se transforma à vue d'œil. Elle prit bientôt la forme d'une belle jeune fille aux longs cheveux bruns. Le coquillage qu'elle portait autour du cou et qui contenait la voix d'Ariel lui permettait de faire entendre les sons les plus doux et les plus mélodieux. Ainsi transformée, elle se dirigea vers le château du prince. Assis sur les marches du large escalier, Éric rêvait. Il regardait tendrement la fenêtre de la chambre qui abritait la jeune Ariel. Il se demandait s'il n'en était pas amoureux. À cet instant, sortant de la brume légère qui courait sur les flots, il entendit soudain le son délicieux qui avait charmé son rêve. Il courut vers le rivage et là, il fut émerveillé par l'apparition d'une jeune fille qui avait la voix d'Ariel. La ruse d'Ursula avait réussi. Le jour suivant, Ariel dormait encore quand Eureka franchit la fenêtre de sa chambre et atterrit en catastrophe au pied du lit où s'était réfugié Sébastien. Ariel, réveille-toi, habille-toi vite, nous avons gagné. Éric annonce son mariage pour aujourd'hui. Qu'est-ce que cet idiot est en train de dire? La vérité, la vérité. Si tu ne sais rien, moi je sais tout. Tout le château est sans dessous-dessus. Dessus-dessous. Enfin bref, le prince veut se marier dès cet après-midi. Folle de joie, Ariel se vêtit rapidement et se précipita dans l'escalier. Elle s'arrêta sitôt qu'elle entendit ce que Grimsby disait au prince. Je reconnais que je m'étais trompé. C'est toi qui avais raison. La jeune fille dont tu rêvais existe bien. Elle est arrivée de la mer et elle chante mieux qu'un rossignol. Félicitations, mon prince. Je veux que le mariage soit célébré dès ce soir. Nous embarquerons sur le bateau royal. Ariel remonta aussitôt l'escalier. Elle était accablée. Elle savait bien que c'était elle qui avait sauvé le prince. Elle ne comprenait plus. Il fallait qu'elle quitte le château sans retard. L'après-midi de ce même jour, Eureka se posa sur le pont du bateau royal où devait être célébré le mariage. Par un hublot, il aperçut une jeune personne qui, devant sa table de toilette, coiffait ses longs cheveux tout en chantant pour elle. Mon Dieu, quelle jeune et jolie mariée, je vois dans mon miroir. C'est vrai que mon plan s'est déroulé au-delà de mes espoirs.
la petite sirène est dans mes mains et l'océan m'appartient. Dans le reflet du miroir, Eureka reconnut, dissimulée derrière le visage de la jeune fille, l'horrible image d'Ursula la sorcière. En un instant, il comprit la supercherie. Il vola d'un trait vers le port où il retrouva Sébastien et Polochon qui essayaient de consoler la pauvre Ariel. Je sais tout, les amis. C'est Ursula qui a pris l'aspect et la voix d'Ariel. Le prince va épouser la soupière. La sorcière. La sorcière. Tu es sûr de ça? M'as-tu déjà vu me tromper? Sauf les fois où je me suis trompé. Ariel regarda dans la direction du bateau royal. Elle se rappela les paroles terribles d'Ursula. Avant le coucher du soleil du troisième jour. Sans plus hésiter, Ariel plongea dans l'eau. Mais le bateau était loin, et Ariel ne nageait plus comme une sirène. En un instant, Sébastien, aidé de Polochon, fabriqua avec deux tonneaux vides un radeau qu'il amarra à une corde. Grimpe là-dessus, Ariel. On va te tirer jusqu'au bateau. Et moi, qu'est-ce que je fais? Mais trouve une ruse, je sais pas quoi. Un moyen d'arrêter ce mariage. Une buse. Pourquoi pas? Le radeau était lourd. Sébastien et Polochon tiraient de toutes leurs forces. Il faudrait bien que le roi Triton nous voie. Il reconnaîtrait notre courage. Et nous pardonnerait. Sur le bateau, le ministre du royaume s'apprêtait à célébrer le mariage. Éric, qui semblait absent et comme hypnotisé, se tenait auprès de la jeune fille qui n'était en fait que la sorcière. Au moment où les vœux du mariage allaient être prononcés, une armée d'oiseaux de toutes sortes s'abattirent sur le pont. Eureka avait tenu parole. Il y avait des cormorans, des goélands, des mouettes, des hirondelles de mer. Du fond de l'eau, des crabes, des homards, des étoiles de mer avaient aussi envahi le pont. Tous s'attaquaient à la sorcière, tirant ses cheveux, piquant son visage, pinçant sa chair. Partez d'ici, laissez-moi! Au secours! C'est à ce moment que Max, le brave gros chien d'Éric, se mit aussi de la partie. Bondissant sur la sorcière, il lui arracha son collier. Le coquillage qui contenait la voix d'Ariel se brisa net. Une vapeur dorée s'en échappa et vint rejoindre la petite sirène qui, elle aussi, avait grimpé sur le pont. Ariel retrouva aussitôt sa voix et Ursula sa forme horrible. Ariel! Ariel! Éric! Alors, vous pouvez parler? C'est donc vous? Je vous reconnais. Éloigne-toi d'elle, jeune fou! Elle m'appartient! Oh, Éric, je voulais tout le temps te dire, mais je ne pouvais pas. Trop tard, mes tourtereaux. Le soleil se couche déjà. 3 jours sont passés. Le pari est gagné. La sorcière, entourée d'un nuage opaque, s'empara d'Ariel, qui retrouva aussitôt son corps de sirène, et d'un coup l'entraîna dans les flots hors du navire. Adieu, et à jamais, jeune amoureux. Tandis qu'Ursula tentait de gagner les profondeurs, tirant après elle la pauvre petite sirène, le roi Triton, puissant et majestueux, se dressa de toute sa haute stature en face d'elle. Et maintenant, arrête, Ursula! Cesse ce jeu ignoble! Tiens, Triton en personne, et qui m'ordonne? Mais quoi? Libère-la! Impossible, elle a signé un pacte, regarde ce parchemin! Oh père, je te demande pardon, je ne savais pas! Le roi furieux frappa le parchemin avec toute la force de son trident. Mais ce fut sans effet. Rien à faire! Ce qui doit arriver, arrive! Regarde, ta fille est devenue une algue et elle va orner mon jardin ensorcelé pour l'éternité! À moins que quelqu'un d'autre accepte de prendre sa place! Toi, par exemple, grand roi, accepterais-tu que je remplace son nom par le tien sur ce parchemin? Vaincu et désespéré, le roi Triton accepta aussitôt. Alors Ariel retrouva sa forme de sirène, et ce fut le pauvre Triton qui fut transformé en un buisson d'algues molles. Ursula s'empara avidement de son trident et de sa couronne. Me voilà reine des mers! J'ai réussi! J'ai réussi! Vous n'êtes qu'un monstre! Je n'ai pas peur de vous! Je vous combattrai! Courageusement, Ariel se jeta sur la sorcière.
Mais hélas, elle n'était pas de taille pour lutter contre ce démon. D'un coup de trident, Ursula l'envoya rouler au fond des sables de l'océan. Petite prétentieuse, contrat ou non, j'ai gagné. Je ne veux plus te voir sur ma route. À cet instant, Ursula ressentit une grande douleur. Un crochet acéré venait d'atteindre ses tentacules. Eric s'était lancé à sa poursuite et la pourchassait jusqu'au fond de l'eau armée de son harpon. Ursula appela aussitôt à son secours ses deux vipères des mers. Eric, prends garde derrière toi! Les deux vipères, enroulés autour du bras du prince, tentaient de le tirer au fond de l'eau. C'est alors que Sébastien décida d'intervenir. Il planta ses pinces redoutables dans la queue des deux vipères. Il y mit toute la force du désespoir. Les deux serpents lâchèrent prise. Oh, mes pauvres chéris, je vais vous venger! Ursula cracha un énorme nuage d'encre noirâtre à l'instant où Ariel rejoignit Eric à la surface des flots. Eric? Oh, je ne vois plus rien. Où es-tu? Reine des mers, armée de son trident, Ursula se transforma alors en un énorme monstre marin. Sa tête hideuse émergea des flots. Elle provoqua d'immenses vagues qui remuèrent l'océan jusque dans son tréfonds. Vous ne m'échapperez pas! Je suis la reine désormais! Tout l'océan obéit à mes ordres! Usant de sa puissance, la sorcière provoqua un violent tourbillon qui mit en mouvement toutes les épaves des navires qui gisaient dans les grandes profondeurs. Ce dernier excès de puissance fut sa perte. Le jeune prince, hardi et bon marin, vit aussitôt le parti qu'il pouvait tirer de ces épaves déchiquetées et dangereuses. Agrippé à l'une d'elles par une corde, il en dirigea la pointe acérée vers la tête énorme du monstre. Ursula reçut le choc dans la masse gélatineuse de son corps. Ah! Ah! Oh! Le ciel et la mer se confondaient dans la tourmente. C'était l'agonie de la sorcière dont le corps se déchirait dans l'eau noirâtre. Des lambeaux de ses tentacules étaient projetés de toutes parts. Il y eut un terrible grondement, et puis ce fut la fin. Les flots retrouvèrent bientôt leur calme et leur sérénité. La sorcière avait disparu à jamais. Eric, enfin, je te croyais perdu. Nous n'avons plus rien à craindre. Alors libérés des maléfices de la sorcière, toutes les algues retrouvèrent leur forme première. Des nuées de petites sirènes quittèrent le jardin maudit où Ursula les retenait prisonnières. Bientôt le trident du roi qui avait coulé par le fond toucha à son tour le buisson où Triton était prisonnier. Le miracle s'accomplit. Aussitôt, le grand roi retrouva sa force, sa puissance et sa forme. En compagnie de Sébastien, il se mit à la recherche de la petite sirène. Il l'aperçut sur un rocher. Elle regardait Eric, qui regagnait son bateau. Elle a l'air vraiment amoureuse. C'est ton avis, Sébastien ? Ma foi, c'est ce que j'ai toujours dit, sire. Les enfants, faut leur obéir. Ils ont toujours raison. Vraiment, tu as dit ça, Sébastien ? Parole de crabe, majesté. Alors, il n'y a qu'une solution à ce problème. Une seule, oui. Une seule, sire. Usant de votre puissance, rendez-lui sa forme humaine. Regarde plutôt. C'est déjà fait. Eric approchait du rocher où s'était réfugié Ariel. Il aida la jeune fille de ses rêves à gagner le pont du navire. Ariel rayonnait de bonheur. Le mariage allait être célébré. Alors la petite sirène se tourna un instant vers l'horizon et comme si elle y apercevait son père et tous ses amis, elle leur envoya un baiser en soufflant délicatement sur la paume de sa main. Elle savait que son père était désormais à ses côtés et qu'il venait peut-être de se réconcilier avec le genre humain. Loin de la mer,
Merci d'avoir écouté cette histoire en entier. Si elle t'a plu, tu peux nous laisser un petit commentaire, mais également la partager avec tes amis. À très bientôt sur Souvenirs d'enfance.